Eh bien, salut à toutes et à tous les amis, c'est Vikingator, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien, et aujourd'hui on se retrouve pour le retour de ma chaîne YouTube. Voilà, donc je reprends les vidéos. Et on reprend très très bien aujourd'hui avec un retour de Brocante, voilà. Donc déjà, avant de commencer la vidéo, je tiens à dire que j'avais tourné une vidéo juste avant, et qu'elle a planté, comme à peu près même presque toutes les vidéos que j'ai tournées. C'est pour ça que ça fait très longtemps qu'il n'y a pas vu de vidéos, parce que beaucoup ont eu des soucis, etc. Et les autres, parce que je n'étais pas fière de la qualité, etc. Donc je préfère ne pas les mettre en ligne. Et là, à côté de moi, j'ai actuellement ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube est en train d'exploser. Merci à tous les abonnés qui sont en train de s'abonner en ce moment. Voilà. Donc cette vidéo, du coup, sera courte parce que je viens de tourner une vidéo très très longue. Et puis après, enfin, c'est pas que j'ai pas la motivation, c'est que là, faut que je fasse le montage, etc. Parce que celle-là, oui, j'ai décidé de faire du montage, etc. J'ai décidé de bien faire ma chaîne YouTube, etc. Donc là, on se retrouve pour un retour de Brocante. Donc j'ai trouvé tout ça de cartes intéressantes, entre guillemets. Ensuite, j'ai trouvé ça de cartes aussi. Et j'ai acheté 10 boosters étincelles. Voilà, je vous présente un peu tout ce que j'ai acheté. Après, je vous présenterai les cartes. J'ai acheté 10 boosters étincelles. Donc je les ai déjà ouverts. Je les ai ouverts hors caméra. Et je peux peut-être... ouais, je peux vous montrer ce que j'ai eu. Parce que je les ai à côté de moi. J'ai eu une pioche de malade. Sur 10 boosters, j'ai eu. Accrochez-vous bien, hein, parce que vraiment, c'est un truc de malade. Méga Dracofeu Y. Donc, Méga Dracofeu X Y. Voilà, donc c'est pas la secrète, mais quand même, voilà. Je vais essayer de faire là, voilà. On m'avait dit que c'était mieux, cette caméra était mieux. Donc, j'ai repris celle-là. Je prends compte de ce que vous me dites. Enfin, ce que vous me disiez, enfin, je sais jamais comment on dit, voilà. Un Méga Dracofeu Y. Un autre, voilà, vraiment, j'ai ça en 10 boosters. Et attention, un Méga Dracofeu X, X secrète, voilà. Donc, les trois cartes sont neuves, du coup. Mais maintenant, je vais vous montrer les cartes les moins intéressantes. Donc, c'est que des communes, peu communes, etc. Voilà, donc, pourquoi est-ce que j'ai pris toutes ces cartes? C'est parce que à chaque fois que j'achetais des cartes, donc des holographiques, etc., il fallait, c'était des lots à chaque fois, donc c'était un peu chiant, mais voilà. Donc je vais vous montrer les cartes. On a un Balbuto, un Tortipus, Kelenox. Il y a des cartes du bloc X, ça par contre je peux pas dire, c'est vraiment bien. Je les passe très très vite, je pense pas que ça vous intéresse beaucoup. Je les passe vraiment vite. Chaglam, Rhinocorne, on a un peu de Wizard. Voilà, donc on va faire comme ça. Je vais plus vous montrer un peu comme ça. Voilà. Donc je vais changer mon plan là sur le côté que vous voyez. Je vais le changer. Donc dans la prochaine vidéo, il sera changé. Voilà. Je vous montre un peu toutes les cartes vraiment rapidement. Parce que je pense pas que ce soit vraiment ce qui vous intéresse, les petites communes comme ça. Si ça vous intéresse, je peux vous faire un lot de ces communes, bien évidemment. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est des communes, peu communes. Il y a peut-être quelques rares. Voilà. Donc, ensuite, on a tout ça d'holographique slash ultra rare. Parce que j'ai trouvé une ultra rare. C'est pas une ultra rare de ouf. C'est pas une méga ex. Voilà. Mais j'ai trouvé quand même une petite ultra rare. Donc, je vais la mettre en dernier. Voilà. Donc, j'espère que l'éclairage sera bon. J'ai fait tout mon possible pour que l'éclairage soit bon. Donc on va commencer tout de suite avec un Zorua holographique du McDo. Je vais essayer que la qualité soit meilleure. Est-ce qu'il veut? Oui, c'est bien comme ça. Un Zorua du McDo. Un mini Draco de Coffre des Dragons. Un Genko holographique de Tempête. Le Rigigaz de Tempête. Un Cresselia de Duel au Sommet. Je vais payer une carte. Un aéromite, donc en état vraiment pas bon, mais bon, à 10 centimes, donc un aéromite holographique de jungle. Un draco holographique du coffre des dragons, excusez-moi. Un mastouf holographique de frontières franchies. Un brutapod des decks. Un taignon holographique. Un goupelin holographique. Un simulacre holographique. Un zoroark holographique, et là je crois que c'est l'ultra. C'est l'ultra, oui. Un Tilton Shiny, voilà. J'étais vraiment très très content de trouver cette carte.
Voilà, un magnifique tout-le-temps shiny. La vidéo aurait été vraiment très courte, c'est parce que juste avant, je viens de tourner une vidéo de 20 minutes, et je viens de la mettre sur mon ordinateur, du coup, pour faire le montage, etc. Et je viens de me rendre compte que la vidéo, je l'ai record, mais je ne la trouve pas sur mon téléphone. J'ai beau chercher, je ne la trouve pas. Donc, pas moyen de mettre la main dessus, donc je n'aurai pas cette vidéo. Je vais la retourner, il n'y a pas de problème, je vais retourner cette vidéo. Là, je vais aller faire une petite pause parce que du coup, j'ai un peu mal à la gorge. Voilà, donc c'était Vixin14. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à mettre un commentaire, me dire surtout ce que je pourrais améliorer dans mes vidéos. Voilà, donc j'ai essayé de faire un fond. J'ai essayé de tenir la caméra, de mettre la meilleure caméra possible. Sur le côté, là, pas la peine de m'en parler. Je vais le changer. Voilà. Donc j'espère sur ce que cette vidéo vous aura plu. C'était Vixin14. Bye tout le monde.